À diverses reprises dans l'histoire du Québec, la population a été ravagée par des épidémies meurtrières. Pendant quelques semaines ou pendant quelques mois, ces maladies contagieuses ont provoqué des flambées du taux de mortalité. Au 16e et au 17e siècle, les Amérindiens sont particulièrement touchés par les épidémies. Isolés sur le continent américain depuis plusieurs siècles, ils ne possèdent pas les anticorps nécessaires pour lutter contre de nombreuses maladies que leur transmettent les Européens qui entrent en contact avec eux. Des maladies comme la variole, la rougeole, la grippe ou la rubéole déciment les populations amérindiennes à l'époque du régime français. Il est difficile de connaître l'étendue exacte des ravages, mais les spécialistes estiment que les nations autochtones ont perdu jusqu'à 2/3 de leur population en raison des épidémies. À la même époque, les colons français sont plutôt épargnés par les maladies contagieuses. La Nouvelle-France n'est que peu densément peuplée. Par ailleurs, en raison des conditions difficiles de la traversée et de l'établissement des nouveaux arrivants dans la colonie, seuls les hommes et les femmes les plus robustes ont décidé de tenter l'aventure. Ils sont donc moins enclins à tomber malades. La situation change pendant le régime britannique. Dans les premières décennies du 19e siècle, les maladies contagieuses redeviennent plus fréquentes. Il faut dire que la densité de population dans les villes est de plus en plus grande et que les conditions sanitaires se dégradent, ce qui favorise la propagation d'épidémies. Dans bien des cas, les maladies font leur apparition au Bas-Canada avec l'arrivée des immigrants, ce qui nourrit un sentiment de méfiance à leur égard au sein de la population. L'une des épidémies les plus meurtrières à cette époque est l'épidémie de choléra qui, en 1832, emporte plus de 5000 personnes à Montréal et à Québec. Au plus fort de la crise, une centaine de personnes meurent chaque jour dans les deux villes. Ça incite le gouvernement à ouvrir un lieu de quarantaine pour les immigrants nouvellement arrivés. Il s'agit de la Grosse-Île, située dans le fleuve Saint-Laurent, à proximité de Québec. Pendant la période contemporaine, les épidémies se font moins fréquentes. C'est dû en partie au progrès de la médecine et à la généralisation progressive de la vaccination. Mais malgré ça, les épidémies ne disparaissent pas entièrement. Par exemple, en 1885, une épidémie de variole fait 3000 morts à Montréal. Aussi, après la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole que les soldats ramènent avec eux fait plus de 13 000 morts au Québec et plus de 30 millions de morts dans le monde. À ce jour, il s'agit encore de la pandémie qui a causé le plus grand nombre de décès dans un laps de temps aussi court.